Господин полковник, я что-то нашел. Минатак, вид, допишите вы рукоятку. О, сентер пунам панима. Dans la rue du village qui s'éloigne du lycée, Helena, Sohane et Costia marchent ensemble. Helena rentre chez elle et Sohane va retrouver son cheval, Fire, qui est en pension dans un pré appartenant au père de Costia. Alors, pour savoir s'il y a du courant, tu mets ta langue dessus et si tu deviens tout bleu, c'est qu'il y en a, dit Costia de bonne humeur. Tu nous saoules avec tes histoires. T'es vraiment qu'un petit garçon finalement, attaque Sohane. Costia encaisse et se renferme, cassée. Helena, comment va ton grand-père? Il tient le coup? Ça va, mais il ne parle presque plus. Il est comme assommé par la disparition de mes parents. Je crois qu'il passe toute son énergie à appeler tout le monde pour relancer les recherches, à guetter leur retour, à épier le moindre bruit. Et du coup, il ne lui reste plus de force pour quoi que ce soit d'autre. Toujours pas de nouvelles du côté de la police, j'imagine? Non, ils ne comprennent pas. Il n'y a aucun signe, aucun indice d'enlèvement, aucun mobile. Ils se demandent s'ils ne sont pas tout simplement partis et si nous n'inventons pas toute cette histoire. Comme je suis mineure, ils n'auraient pas le droit de m'abandonner, mais il y a mon grand-père. Donc ils auraient pu me confier à lui. Bon, évidemment, je parle du point de vue de la police, car je sais bien que c'est impossible. Je leur parlais encore la veille au soir. Je me couche, la nuit j'entends des cris, je descends, ils n'étaient plus là. Toutes leurs affaires sont restées. C'est impossible qu'ils soient partis volontairement de cette façon. Et puis c'est impossible qu'il soit parti tout court d'ailleurs, dit Helena avec frustration. Je comprends totalement ce que tu ressens. Je connais bien tes parents et tout le monde les aime ici. Je suis sûre qu'ils ont eu un problème et qu'ils vont revenir. Tout ça a forcément une explication et ça va s'arranger. En tout cas, sois sûre que tes parents t'aiment et que c'est impossible qu'ils t'aient laissé volontairement de cette façon. Il faut que tu tiennes le coup jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui leur est arrivé. Je sais que c'est dur pour ton grand-père et toi. Et si on peut faire quoi que ce soit... T'es sympa, Sohane. Heureusement que t'es là. Ouais, ben moi je suis là aussi et... Mais bon, apparemment je compte pour zéro, s'exclame Costia. Oh, le pauvre petit Constantin qu'on ne prend pas en considération, se moque Sohane. Merci Costia. Je sais que vous êtes tous les deux des amis. Je sais pas ce que je ferais sans vous.